Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dawn of War Soul Storm en mode campagne. Donc dans l'épisode précédent, donc on avait pas mal avancé sur ce que j'avais prévu au final. Que dire de plus? On était parti sur la campagne en taux. On allait attaquer le mont Roquemort, je crois. Oui, c'était ça, c'était le mont Roquemort. Donc, contre les orques. Donc, tranquillement, on allait faire ça. Et vraiment de façon à l'aise. Voilà, donc on va lancer. On va aller chasser de l'orque. Donc, c'est pas une race que je déteste. Facile à tuer, c'est bien. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, faut qu'on attende le temps de chargement qui est quand même ultra long. Ça, c'est un peu embêtant. Mais bon. Faut bien ça. Bon, c'est parti. On continue la campagne. Alors, nous avions dit que nous allions attaquer le mont Roquemort. Non, les pieds mont Reclos, pardon. Mon Rushmore, je suis bête, moi, je me suis déjà parti, voilà, je m'en vais, bye bye les gens. Donc, mon Rockmore, tôt, attaqué. C'est parti. C'est parti. Personne ne résiste au bien suprême. Alors, on commence tout de suite. Donc là, il y a mon héros. Donc le commandant Oreska. Mes unités invisibles. Parce que c'est ça et swag. Si jamais je parle pas, hein, c'est que je suis concentré. C'est un jeu de stratégie, donc je pense que vous comprendrez. Voilà, quoi. Tous les jeux de stratégie sont normalement comme ça. Alors, donc le commandant Reska. Donc là, je viens de lancer un piège infiltré. Il envoie un piège infiltré sur la zone visée. Les pièges s'infiltrent après un court délai de se déclenchent quand un ennemi passe au-dessus d'eux. D'ailleurs, je vais relancer un choc. Et ça efface pas le premier, donc c'est bien. Ensuite. Je peux pas faire grand chose. Ah si, donc on va continuer à créer des matrices. Dans les commentaires, ce serait bien que vous en mettiez. Hein. Si possible, dites-moi si.
Enfin, il faudrait que vous me disiez si vous voulez que éventuellement je vous refasse un détail des bâtiments pendant la campagne. Parce que bon, je sais que je l'ai fait dans la première vidéo. Mais elle date d'il y a tellement que si d'il y a tellement longtemps que si vous la regardez pas, forcément vous saurez pas. Donc après, à vous de voir si vous avez envie ou pas. J'attendrai vos retours après cette vidéo, bien sûr, hein. Je le ferai pas sans vous. Alors, ça avance, ça avance, ça avance. On va continuer à construire. Allez, le héros, faut le tuer, c'est pas un gentil. Donc, faut savoir qu'ils viennent de m'envoyer leur héros. Parce que les orques, tout ce qu'ils savent faire, c'est frapper. Et là, je dirais qu'ils sont venus me frapper en face à face. Ils devraient mourir. Normalement. Mais bon. On sait jamais avec les taux. Enfin avec les orques, hein, ils sont. En fait, le truc avec les orques, c'est qu'il faut savoir qu'ils ont une ressource, ça s'appelle le wag. Enfin le warg. C'est une prononciation du mot war qu'ils ont raté. Et en fait. Oula. Et oh. Wow. Faut savoir qu'ils savent pas prononcer correctement le mot war. Donc ils disent warg. Et c'est leur ressource. Vous verrez après quand je vous montrerai leur bâtiment de ressources. Donc les bannières WAG ou WARG. Elles sont placées sur le terrain et elles servent à faire joli si je puis dire. 150, 225, il va falloir que j'attende. Hein. Vous renforce. Allez hop, on y va. Donc voilà. Ils commencent directement avec des XV15 stealth qui sont direct dès le début du jeu invisibles. On va pas dire que c'est cheaté du tout. Wow, vous laissez mes techniciens, voilà, vous mourrez un par un. Alors ça c'est quoi ça? Ça c'est des Shock Boys équipés de jetpack. Ils ne font pas spécialement peur. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il n'y a rien. On met la bannière et on attend. Là, il y a mon héros. XV22. Tiens, bah voilà. Mais vous avez fini d'embêter mes. Je sais pas ce qu'ils ont avec mes robots techniciens, mais ils les aiment pas beaucoup. Sont morts. Alors, faut savoir que les pièges que j'ai posés, comme vous pouvez le voir, ils ont vachement ralenti l'ennemi. Et c'est plutôt cool d'ailleurs. Donc, je vais continuer à en poser. Parce que j'aime bien. Continuer à placer les matrices. Faut savoir que les matrices produisent la ressource verte qu'il y a en haut. Et cette ressource verte, ce sont des points qui me permettent de, par exemple, faire des pouvoirs, lancer des recherches. C'est un peu une seconde ressource du jeu. C'est pour dire qu'il y en a quand même un petit peu besoin. On va se faire une équipe de guerriers de feu, parce que les guerriers de feu, je les aime bien, ils sont pas mal. Là, c'est fait, j'ai enfin une bannière de plus. Chaque bannière rapporte des points, comme dit dans la première vidéo. Votre ennemi a capturé une relique, donc ils ont la relique qui est là au milieu de la carte. C'est pas spécialement un problème. Hop là. Alors, ah, guerrier de feu. Alors, les guerriers de feu qu'il y a là, ce sont donc des tireurs d'élite. Ils attaquent surtout de très loin et ils sont ultra puissants. Et c'est pour ça que je vais renforcer l'unité. Parce que disons que par exemple de là, ils peuvent tirer là. Si vous voyez à peu près la distance qu'il y a, c'est bad. Voilà, ils se mettent à tirer, l'ennemi il est encore là-haut. Ah, attendez, je vais faire une petite pause. Bougez pas. Donc heureux, donc je suis désolé, j'ai eu un petit empêchement. C'était ma copine, voilà. Alors,
Donc vous voyez, ils ont une certaine puissance de tir. Au combat, ils sont moins forts. Pourquoi ils se déplacent là? Ils ont bugué. Allez, faut la battre, faut le tuer. Qui est pas des gentils. Oula, c'est pas bon. Allez, on le bute. Ah ah, tu peux plus bouger. Tu es mort. Ah. Vous savez quoi? Je crois que c'est la première fois que j'utilise les pièges et je pense que je les utiliserai tout le temps maintenant. Je viens de découvrir que c'est des pièges très efficaces. C'est d'autres, les équipes de stealth de propulseurs augmentent les dégâts du canon à impulsion pour la combinaison. Ah, je prends. Alors. J'ai pris quand même cher. Ah, ils sont venus, ils sont repartis. Je crois que je leur ai fait peur. Là, éventuellement, on va construire un avant-poste. Prospérez comme tôt. Ah, bonjour, messieurs, allez. Désolé, mais faut mourir. Ah, la vitesse de... Ils meurent trop vite, ces petits boy scouts, là. Enfin, ces petits boys, war boys. Les thugs de la mort, les war boys. Ils tentent de lutter, mais ils n'y arrivent pas vraiment. Allez, on peut. Allez, on a gagné, on a gagné. Voilà. Vous avez vu? Et quand même, vous voyez le nombre de morts qu'il y a? C'est tous des équipes de Warboys Orc. Et ce, grâce à mon héros qui est là. Et à mes guerriers de feu. Et on va rajouter des guerriers de feu professionnels. Donc en gros, des guerriers de feu, mais d'un niveau un petit peu au-dessus, j'ai envie de dire. Alors le PC ne manque qu'à... Balise à véhicule. Et PC de couillon, donc je vais prendre le PC de Manka. Faut savoir qu'ils ont deux évolutions, les taux. Donc le PC de Manka qui permet d'améliorer les nombres de véhicules, donc avoir les deux gros véhicules, les chars amérides. Il faut savoir qu'ils ont le PC de couillon qui permet d'accentuer une autre race. Parce que la vérité sur les taux, c'est que d'un côté, il y a eux qui sont forme robotique, qui sont là pour la suprématie de la planète, mais comme ils sont pas forts au corps à corps, ils ont demandé à la race des Croutox de participer à l'avènement de leur empire. Donc les Croutox, c'est un peu des cannibales. On peut leur demander de manger tous les corps sur le terrain et ils ont un dinosaure en quelque sorte, un tyrannosaure. Mais personnellement, j'utilise jamais les Croutox parce que c'est pas une race que moi j'affectionne. Voilà, vous savez tout. Oh, stop, 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 stop. Qu'est-ce que t'as cru? T'as cru quoi, toi, mon petit? Faut savoir que les... Ça, c'est aussi c'est une particularité. Les taux n'ont pas de tour de défense. Les seuls tours de défense, elles les ont sur, les a... sur leurs avant-postes. Et oh, vous avez fini, oh. Voilà. Petite grenade photonique dans le tas et puis ça passe bien. Pour le coup, là, j'ai une tourelle, elle fait plus de dégâts déjà. On va leur faire passer des armes anti-véhicules. Je peux rien faire de plus pour l'instant. Puisque je suis en train de me recharger au niveau... Ah si, je vais faire ça. Je vais construire un deuxième avant-poste. Que faire de plus? Eh ben, je vais construire un broadside. Puisque vous ne connaissez pas le broadside. C'est d'ailleurs le nom d'un de mes amis. On croisera peut-être un de ces quatre sur la chaîne, je sais pas.
C'est la Fritz V88 Broadside qui est une unité un petit peu spéciale. Vous comprendrez ce que je veux dire quand je vous aurai montré son fonctionnement. Faudrait juste qu'il se dépêche de sortir. Alors, voyez-vous, ceci est un donc une exo-armure XV88 Broadside. Donc, faut savoir que là, elle est en mode missile. Elle envoie avec ses bras des missiles, surtout anti-véhicule. Mais en cliquant ici, ce que je vais faire maintenant, puisque je vais m'en servir au combat, voici ce qui se passe. Vous avez vu ? Il ne tire plus aucun missile, il tire simplement deux gros rayons bien badass qui one-shot pratiquement toutes les unités adverses ennemies. Voilà, c'est pour vous dire, personnellement, je l'affectionne. Mais j'utilise pas beaucoup parce que c'est surtout une unité de défense. Et le héros qui est venu se frotter à nous. Et il perd plus de vie que tout à l'heure. Ah, lui aussi, il a une certaine distance de tir qui est vraiment pas mal. PC de Manka en construction. Ouais, non, tu vas éviter de me défoncer mes personnages. Allez, hop, on s'en va. Wow, non. Le héros, on s'en occupe. Allez, on tue le héros. Voilà. Parce que le problème de ce héros, c'est qu'il a la capacité de voir les unités infiltrées. Et du coup, quand il s'approche des unités infiltrées, les unités infiltrées apparaissent. Mais face à toutes les unités ennemies. Ce qui fait que du coup, bah, vous avez plus de protection. Et vous mourrez très vite. Faut savoir ça. Donc là, il est... bah d'ailleurs, je vais faire ça. Allez hop. Je vais aller voir la base ennemie. Vérité, on ne peut tuer que ce qu'on voit. Bon, il veut bien mourir là au lieu de résister. Voilà, il est mort. On va aller voir ce point là. Mon héros, on va lui refaire poser un autre piège ici. Génial, au moment où ils arrivent, je pose un piège. Ah, le bonheur. Le bonheur. Et là, vous voyez quand même la vitesse. Maintenant, ils font des rayons laser alors qu'avant, ils faisaient des petits blasters. Et bah, la vitesse de destruction n'est plus la même. Ah, donc là, ça va se jouer comme ça. Ils vont vouloir me surprendre mon point. Et bah, qu'ils le prennent, il n'est pas important. Comparé à ce qui les attend. Il est où ? Faut savoir quand même que là après je vais avoir l'une je vais avoir toutes les plus grosses unités tôt et je vais terminer la partie. En général je fais comme ça, mais enfin en général moi mon type de partie c'est je monte le plus vite possible et une fois que je suis à fond monté et tout ça j'attaque. Le problème c'est que cette technique ne marche pas lorsqu'on est en mode capture de points. C'est-à-dire vous avez un certain nombre de drapeaux sur la carte à aller chercher. Et donc ces drapeaux... donc non, vous avez quoi? Vous avez 5 points et il faut contrôler les 5 points. Enfin, ça dépend de la map. Et une fois que vous contrôlez tous ces points, vous avez un timing qui démarre. Où le but, c'est qu'à la fin de ce timing, vous ayez tous les points de contrôle, vous ayez le plus de points de contrôle possible.
Et du coup, Bien sûr. si vous gagnez, tout se passe bien, mais si vous perdez, c'est plus embêtant. Et pour ce moment-là, on ne peut pas faire comme moi je le fais, justement parce qu'il y a du temps. Il faut être le plus rapide possible. Et en faisant la technique dont je vous parle, être le plus rapide possible, vous comprendrez que c'est impossible, quoi. Faut aller chercher tous les bonus, si je puis dire. Et c'est pas en prenant votre temps que vous allez les prendre. Oh, prise de risque. Je deviens visible aux yeux de mon ennemi parce que la zone leur appartient encore, cette zone-là. Vous voyez, maintenant, elle leur appartient plus, donc je suis à nouveau invisible. Voilà. Allez hop, je vais quand même vous montrer les chars Amerith parce que je peux pas ne pas vous le montrer. Ça s'exhibe un char. Alors, voici petit XV8 Crysis. On va lui rajouter un lance-missile. Alors lui, il s'enterre pas dans le sol, par contre, il s'envole. Je vais pas dire qu'il est cheaté, mais presque. Donc là, vous voyez, avec mes stealth, je vais avoir fait toute la map. Je suis arrivé là-haut, hein. Quand même, faut faire un signe. Pour chercher, si possible, le camp de base ennemi. Alors, on avance. Ah, ça y est, trouvé. Allez, on va prendre le point. Voilà, comme ça on est invisible. Alors. Ah! Ça fait plaisir. Le point de Mankai, là, est-ce que ça veut dire que j'ai un Amérite de près? Non. Fumer? Peut-être. Alors, on va prendre ça tranquillement. Ouais, faut savoir que c'est quand même des parties. Bon, voilà, c'est un jeu où il va vous falloir que vous soyez détendu et que vous. C'est un jeu stratégique, quoi. Je vais pas vous offrir tout le long de la baston. Hein. Jeu stratégie, c'est égal à la construction de bâtiments également. Non, 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 non. Oh. On recule, on recule. Ouh là là. Les grenadiers même. Bon, alors là, ils sont foutus. Ils vont tous mourir, malheureusement. Ah, j'ai mes deux chars Amerides. Alors, voici ce que c'est qu'un Amerid. C'est un char, comme vous voyez, muni d'une artillerie au-dessus et de deux grosses sulfateuses à l'avant. Si je peux vous trouver un bâtiment, vous allez comprendre qu'en fait, ces deux gros canons, ils s'en servent, mais rarement de sa petite mitrailleuse. Waouh, ils se sont fait des. Là, par exemple, regardez la distance de tir. Voilà, pour vous montrer. Il n'utilise pas sa mitrailleuse à cette distance, que son gros canon. Et vous voyez qu'en 4, 5, en 5 tirs, c'est fini. Et ensuite, il me manque plus que. La caste de l'air, c'est-à-dire mes chasseurs Barracuda. Et vous voyez, là il vient d'utiliser sa mitrailleuse, il est quand même à une distance relativement longue. Hein. Franchement, il n'est pas au corps à corps non plus, quoi. Alors, bon, alors là voilà. Waouh, il y a trop de monde. On va se donner rendez-vous là. Allez hop là, tout le monde. Oh, calme ta joie, l'orque. Faut savoir que le gros canon tire en mouvement. Hein.
Punel, qui sont en mouvement ou pas, il est toujours aussi puissant, le char Améride. Oh, pardon, j'ai fait une connerie. Je suis désolé. Hein. Bon, bah voilà, vous aurez un petit bug. C'est pas grave. Donc. Alors. Allez, ça chasse. Oh, il y a le chef qui nous suit. Bah, il est mort. Il n'aura pas fait long feu. Voilà, comment se faire une place forte. On se met là et les orques ne montent plus. Ils sont chassés directement. C'est ce qu'on appelle se faire aller, s'en aller se faire voir, quoi. Clairement, regardez. Ils sont en train d'essayer de prendre position sur la colline. Mais avec toutes les troupes qu'il y a, ils peuvent pas. Ils n'y arrivent pas. En même temps, qui arriverait à monter sur une colline avec deux avions de chasse Barracuda, deux XE-8 Crysis et deux chars Améride qui tirent de loin en artillerie. Regardez ce nombre de cadavres quand même. C'est beaucoup, hein, je trouve. Alors pareil, faut savoir que les orques qu'il y a dans le jeu ne sont pas les orques du Seigneur des Anneaux. Ceux-là, ils sont issus de la terre. C'est directement, en gros, des arbres. C'est des plantes, les orques. C'est des elfes. Bon, même si les elfes, c'est les Eldar. Hein. Ça, c'est le terme qui a toujours été utilisé dans les jeux vidéo. Pour des elfes en général. Mais, ce sont des elfes. Un petit peu, quoi. Ils sont issus de la terre. C'est bizarre. Hein. Ah bon, bah là, on va attaquer la colorque, donc le QG, si vous préférez. Et ça, vous voyez, là, ces deux bâtiments-là, ce sont les WAG. Les bannières WAG, avec des petites mitrailleuses. Parce que l'avantage, voilà, des... Ah, des nobles en méga armure. Le gros avantage des orques, c'est que tous leurs bâtiments sont protégés. Ils ont toujours des mitrailleuses, on peut les améliorer avec des lance-missiles. Enfin, les bannières WAG, ça évolue, ça fait petite arme, grosse, enfin petite mitrailleuse, grosse mitrailleuse, et ça finit par lance-missile. C'est ça qui est bien. Donc tous les bâtiments orques sont protégés en général par des mitraillettes. Donc, pour résumer, j'ai attaqué le mont de Rocklow. J'ai gagné. J'ai fait donc une victoire pour moi. Donc ce sera un tour par vidéo. Et puis là, du coup, je vais gagner l'unité terrain d'élite. L'unité de terrain d'élite, c'est pas compliqué. J'ai un certain nombre de points de réquisition au début d'un tour que je peux utiliser soit sur un... ou même à la fin de tour, hein, soit sur une planète, en rajoutant des bâtiments et de ça pour commencer une partie, soit sur mon unité directement de départ. C'est-à-dire, bon, là, je vais les mettre pour mon unité de départ parce que je fais toujours comme ça. Je commencerai avec mon héros, mon technicien, mais en plus, un soldat qui sera un tireur d'élite. Vous imaginez bien que ça va faire la casse. Ce sera pas sympa pour eux. Et les pauvres vont crever. Donc, victoire. Vous avez libéré cette province. Piémont des Rocklow. Des orques assoiffés de sang. Matériel obtenu pour un ratio de victimes de 3 pour 1. Matériel obtenu pour une conquête. Garde du corps, bonus obtenu. Donc, c'était le bonus de la planète. Continuez. Alors, vous voyez mon héros. Donc, vous voyez, objet disponible 2, j'ai 2500 de santé, j'ai 0 de dégâts au corps à corps et 110 de dégâts à distance. Tout ça, ce sont des bonus que je peux ajouter à mon héros tout au long de la partie. Hein. Par exemple, je peux faire un lance-flamme, voilà, en mode bien dark. En le rajoutant, je gagnerai 123 au lieu de 110 d'attaque. Vous verrez, vous voyez bien, ça il fait deux armes, il devient bien craqué. Mais pour l'instant, je vous montrerai les armes et on verra après. Je peux avoir le fuseur John Ebb qui remplace mon fusil d'assaut. Je gagnerai un bonus de 205 d'attaque. C'est quand même plus intéressant qu'un lance-flamme. Un ioniseur cyclique. Je ne peux l'avoir qu'en ayant acheté le fuseur de John Ebb. Donc ce sera pas pour l'instant, hein, malheureusement. Voilà. Des lance-missiles. Vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1. Clic sur les épaules. Il a 370 d'attaque à distance. C'est quand même pas mal. Un système de visée multiple. Ça lui fait 138 d'attaque. Un générateur de bouclier. Ça lui fait 3750 points de vie au lieu de 2500. Un propulseur. Ça lui ajoute rien de spécial à part la capacité de faire des sauts ou de voler si on préfère. Un mode invisible. Ça peut être pas mal. Je pense que d'ailleurs c'est ce que je vais faire.
un drone de défense. Vous voyez? Hop, le petit drone. Et suite à un drone de défense, je peux passer à un drone de marquage. Qui a fait deux petits drones tout mignons. Qui volent autour de mon drone. Mais je vais pas faire ça, hein, personnellement, c'est pas mon but. Alors, je vais prendre les lance-missiles. Et le champ de furtivité. Champ de furtivité, je vais être invisible. C'est quand même pas mal. Et lance-missile. Donc, lance-missile dote l'exo armure XV-22 de deux lance-missiles épaule et la transformation en une puissante plateforme anti-véhicule. Complémentaire efficace contre les véhicules. Donc là, du coup, j'ai un bonus de 370 d'attaque. Et facilité pour moi de détruire les véhicules avec mon héros. Alors, donc la carte. Vous voyez maintenant, il y a ma planète en orange. Et ici, un deuxième endroit en orange également, qui est les mondes Roclos. Donc, prochain tour, j'attaquerai les îles oubliées pour gagner ce bonus. Là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Suite à ça, je t'attaquerai les boîtes de Trivi pour gagner un bonus de Herocruits. Ensuite, ce sera Ceruléa pour obtenir un XV-25 en plus. Les Skerries pour avoir une unité de frelons. Et ensuite, je reviendrai là pour avoir la Porte Warp. Pour ensuite terminer par le héros des orques, le Warg de Gorguts. Avec une garde d'honneur. Donc je vais finir le tour et je vous reprends. Enfin, je vais vous dire comment ça passe. Allez hop. Alors. Les orques attaquent les Space Marines. Les orques gagnent contre les Space Marines, ont gagné un nouveau territoire. Les sœurs de bataille viennent d'attaquer la GI. Donc les gardes impériales et a perdu. Et ça se finit comme ça. Donc deux attaques qui ont été faites durant ce tour. Donc on se retrouve dans le prochain épisode. Donc pour l'attaque 2. Pour l'attaque des îles oubliées. Et à plus tout le monde. Merci d'avoir regardé. Et surtout peace les gars. Allez bye.